Привет et d'abro à Jalavat sur la chaîne Will Mastro Reaction. On se retrouve pour cette deuxième vidéo et nous allons nous diriger vers Sergei Trofimov. Ça va remonter un petit peu. C'est une chanson qui va parler de d'une femme qui manque à un homme et sa déclaration. Et franchement, le texte est vraiment très intéressant. Et donc, la chanson s'appelle « Ya skochai yo petebia ». J'espère que j'ai bien prononcé. Alors, ne me sautez pas dessus, ça veut peut-être dire « tu me manques ». J'espère. Enfin, j'espère que je vous manque aussi tous les jours. Pour ceux qui ne connaissent pas Sergei Trofimov, n'hésitez pas. Je vais essayer, mais c'est pas sûr. Je vais mettre une petite fiche ici avec sa chaîne YouTube. Si jamais c'est bloqué, n'hésitez pas, descendez dans la description. Le premier lien, c'est le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. L'original, allez-y. Sinon, il y aura peut-être sa chaîne YouTube s'il en a une. Parce que ça date. Donc peut-être que la personne a disparu. Ça, après, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas pour aider la chaîne YouTube. Il y a mon PayPal, il y a mon Telegram pour participer au groupe. Il y a mon Instagram et il y a, voilà, non, il y a le Patreon où Céline et Robert sont toujours présents. D'ailleurs, merci beaucoup. Donc, on va aller vers ce Sergei Trofimov qui va nous interpréter. Je vais le retenter une deuxième fois. Ya skochai yo petebia. Alors, j'ai peut-être pas appuyé parce que ça aussi, si on appuie sur certaines, ouais, ça change un petit peu le sens. Voilà. Donc, j'espère que j'ai à peu près bien prononcé. On est parti pour ce titre. Bonne écoute à vous et à tout de suite. Гора, все не доходит руки, и опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу, а я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе, когда невольно живешь один. Я скучаю по тебе, как апостол по святым мукам. Я скучаю по тебе. Друг от друга отдохнуть. Я все пробую начать жить логикой железной, но в логику любовь никак не запихнуть. И наш обыденный уклад, сложившийся годами, где суета сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем не так и не за тем. Я скучаю по тебе, как пустыня по снегам белым.
бы, что скучать, пройдет всего неделя, и все вернется на круги своя. Домашние дела, друзья, работа на пределе, а в общем жизнь вполне обыкновенная. И лишь заметив первый снег над хмурою столицей и у ларьков озябшие цветы, я вспомню, как недолг век, что он повторится, и что всего прекраснее в нем ты. Я скучаю по тебе, как подранок по своей стае. Я скучаю по тебе. Вот ведь как бывает. Я скучаю по тебе. Я скучаю по тебе. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas, voilà. Elle a senti que... Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Ma chienne a senti qu'il se passait quelque chose. Elle a senti. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Alors, ce Sergueï Trofimov... ce n'est pas Dimash, ce n'est pas des grands chanteurs qui sont capables d'envoyer des notes de ouf, mais dans la chanson, on n'est pas obligé d'avoir des voix de dingue pour réussir à transmettre un message. Et Sergueï a réussi à transmettre ce message avec une intimité et une justesse incroyable. Avec un texte. Excusez-moi. Avec un texte absolument superbement bien écrit. La personne qui m'a proposé ça, et elle se reconnaîtra, je l'embrasse vraiment très fort. Pour ces deux grands moments que je viens de vivre par rapport au texte et aux prestations effectuées. Et là, monsieur Sergueï Trofimov, je suis vraiment... Alors là, je suis vraiment touché par cette interprétation. Voilà. Alors, il y en a qui vont dire oui. Il y en a, c'est sûr. Hein. C'est sûr qu'ils vont dire que... Ouais, c'est pas terrible, la voix, elle est pas terrible. Après, comme je dis, hein, chacun a son ressenti musical. Moi, tout ce qu'une personne peut transmettre avec son cœur et ses tripes, je vais le ressentir et ça va me toucher. Donc c'est pour ça que monsieur Sergueï Trofimov me touche, mademoiselle Aurora me touche, Diana Onkoudinova me touche, Dimash me touche, Yulia Parshuta me touche, Pelageya me touche. Enfin, tous ceux qui transmettent un message tellement sincère, du profond, plus profond de leur âme, je vais le ressentir et ça va me toucher énormément. Donc après, effectivement, si on a le texte avant, on va être encore un peu plus touché.
Effectivement. Mais on a le droit, par l'interprétation et le ressenti de la personne, d'être touché. Pas forcément besoin d'avoir le texte. Mais là, j'ai eu les deux textes avant. Et je peux vous dire que ça fait. Que ça fait du bien. Merci beaucoup à vous. Alors, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Là, franchement, la personne qui me l'a proposé, merci beaucoup. Là, merci. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Une chanteuse qui a fait polémique va revenir parce que il y a quand même pas mal de. Enfin bon, bref, c'est pas grave. On va en parler après. Donc. On se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. C'est là vraiment la priorité. Et on se retrouve demain. Je vous aime vraiment très fort. À demain. Je vous aime. Мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем.